Entre temps, situation Gabriel toujours pas évolué dans Matisse, en particulier avec Brie, gros âme toute la journée dans cadre d'affrontement entre gang yo qui continue à troquer cognio chaque jour, encore hier, sous toute bicentenaire jusqu'à La Saline, bandit était sous brinzing yo, d'après témoignage yo, nèg exam t'es même arrivé jusqu'à Grand Rue, bandit yo qui pas décidé rester dans trou yo, mais pis gros problème n'a été jeudi en Matisse, et c'est pour ça, n'a posé question ça dans journal La Matin. Killer Matisse avec zone qui sous côté Lyo a privé gain la paix. Moi même pas connais, par contre sous connais ou même guerrier. Même la police c'est pas connais, pas besoin de pour simple citoyen. Donc l'état haïtien pas connais qu'il est Matisse a pas gain la paix, c'est vrai, gagné des paroles qu'a parlé comme quoi l'état a font Jean pour yo ta capable renforcer PNH là bal moyen pour le capable faire travail. Mais hier question ça porte-parole PNH là pas de cas répondre, mais les annoncé gagnant ayant CSPN spécial qui est déroulé mardi 21 janvier sous phénomène insécurité qui gagne en pays, précisément situation en amortissant qui inquiétait un peu le monde. Ouais, Michel-Ange, lui jeune qui évoquait tout guerrier problème moyen à qu'effectif police ta gagnant et lui promettre toutefois institution pral bail une réponse appropriée pas trop longtemps sans lui pas bail trop détails sous dernier affrontement ça entre gang exam une zone Matisse. Michel-Ange, lui jeune t'es pas aller dans micro Johnny Ferdinand. Question Matisse, nous pas jamais pas reconnaître que phénomène criminalité son phénomène qui prend ampleur. Mais yon nan bagay nous reconnaître c'est que phénomène criminalité urbaine ça n'a vive là, c'est un phénomène qui propre essentiellement à Haïti. C'est un phénomène qui propre essentiellement à une ville tant que Port-au-Prince. Même si nous reconnaître que Haïti a une particularité, même genre chaque pays a une particularité par eux. Commandement fait tout ça le capable tout ça que nous pouvons pour l'adresser question. Maintenant, est-ce que question les résoudre? Non. Est-ce que question pas résoudre? Oui, faut le résoudre. La bonne nouvelle, c'est que hier, un CSPN qui réalisait autour d'un ensemble de problèmes d'insécurité en d'un pays, dont le problème de Mati. Ça veut dire que tant qu'on t'a dit hier, justement, dans Radio Caraïbes, c'est une mission des hommes et des femmes, mais surtout des moyens. Donc, moyen ou abvini, j'en dis là, dans le pire recommandement de l'État, question ça, l'y adresser, et dans un petit temps qui pas trop loin, a bien résultat qu'a commencé bail. Deuxième aspect question non Ferdinand que nous m'apprécier et agent police qui de connivence avec chef gang pour me répéter pour parole. Mais ça nous même nous chaque fois que nous joignons un nèg en flagrant délit si son bandit qui mettait uniforme qui prend couverture la police nous présenter mon exemple clair là nous fait ça là si son policier tout qui gon comportement de déviant ou bien qui gon comportement qui affiche en déviance par rapport à la norme immédiatement nous même nous fait décantation nous voyons le côté le pire mère ça que nous retirer dans camp nous voyons dans camp côté le vleya et c'est à régulièrement nous faire des conférences côté nous présenter yo nous montrer opinion publique là qui est sur. Par contre, si n'importe monde gagne une information ou indexé individuellement yon policier ou bien yon groupe de policiers ou connaît qui de mèche avec X ou bien Y à ce moment-là, heureusement nous-mêmes dans institution nous avons entité pour ça ou saisi entité a qui c'est l'inspection générale ou bal information ou dit mais soit gagné, mais soit attendez mais soit ouais et c'est régulièrement tout inspection générale fait des conférences de presse pour montrer nous mauvais graines que y a retiré dans scène. Nous conscients que y a un policier qui est capable de faire des déviances tant que ça fait dans toutes les forces de police au monde. Mais nous pas arrêter tout non voyer monter comme si pour n'a dit ah oui la police bon c'est OK bon la police pas bon oui graine qui pas bon hein. Mettez-le pour tout monde ouais tant que nous même nous voulons faire et qu'on a habitué faire et tant qu'on a toujours fait. Porte-parole police nationale là, concernant la situation insécurité qui gagnait dans Port-au-Prince Matisse en particulier. C'est avec en pile difficulté emploi institution qui était sous bicentenaire arrivé travail côté temps en temps c'est gros courrier employé pour quitter bureau yo tant coup ça t'est arrivé avant hier pour employer EDH yo qui dans zone bicentenaire n'a pas que Port-au-Prince tout juge avocat ak justiciable yo t'est gagné un gros panique dans moment yo t'a couru quitter zone là suite à annonce bandi yo pour t'est envahi zone bicentenaire et une situation qui révoltait avocat yo qui estimait yo en difficulté je dis hein, pour plaider dossier et avocat yo vive de dossier à traiter dans tribunal yo plusieurs voix déjà levées dans sens ça pour demander déplacer tribunal là pour permettre une série dossier qui en souffrance capable traiter une décision comme ça est capable interpréter comme quoi l'état li bad devant et bandi on songeait tout tollé et ça t'est fait le
te gen annons pou te retire 2-3 bureaux dans Sénat pour te voyer l'autre côté parlement tout lui-même qui trouvé le sous bicentenaire avec nous matin met Arnel Rémy nan barreau Port-au-Prince concernant situation ça donc yo même k'ap vive chaque jour pété courri qui gagne dans palais de justice là le bandit yo pral déployer donc situation ça li révolté étant donné que n'a parlé de ça matin donc il est avec nous en studio pour témoigner comment yo même yo vive situation ça au niveau de tribunal là mais tout fait de propositions pour permettre yo résoudre problème non bien attendant problème dans résoudre au moins yo même en tant qu'avocat capable gagner un espace pour fonctionner comme ça doit maître Rémy bonjour. Bonjour Pierre-Honel René, bonjour Guerrier de Sol, bonjour Rémy Jean Franklin, nous saluons maître Marc-Antoine Maisonneuve, maître Albéric, maître Rico et puis tout avocat collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Donc je dis à Pierre-Honel, c'est avec un pile amertume que je viens la matin pour me témoigner situation difficile. Côté nous-mêmes comme avocat, donc m'a exprimé maintenant non collectif là, pour me dire que j'ai une situation à révolter. Il révolté parce que depuis plus de 6 mois, toute activité dysfonctionnelle dans le tribunal. Donc malheureusement, et pas plus tard qu'avant hier, par contre, sous t'es remarqué ou bien t'es qu'à gagner information à côté que avocat, juge, greffier, commissaire gouvernement, tout a pété courir parce que apparemment t'es un rumeur qui dit bandit pour l'opérer. Donc ça vraiment pas nos problèmes. Nous même comme avocats qui vivent de travail nous, de gagne-pain nous, de l'activité que nous avons fait dans le tribunal, à cause de dysfonctionnement tribunal, à cause que pas de siège civil qui prend, à cause que nous n'avons pas qu'à travailler en quiétude d'esprit, à cause que nous n'avons dit bon, dans la situation difficile, ça n'a pas descendre. Donc voilà pourquoi ça vient faire en sorte que le tribunal n'a pas qu'à fonctionner, nous n'avons pas qu'à travailler en paix, avocat pas qu'à descendre dans le tribunal normalement. Donc, avant de descendre dans le niveau tribunal, il faut prendre information. Et pendant le descendre, il faut mettre le contrôle, il faut veiller pour le connaître si pas de tirer. Donc, si tu as un bon problème, et nous vivons longtemps, malheureusement, nous perdons un confrère, nous, que la terre lui soit légère. Donc, nous disons, c'est parti à tout faire, mais nous avons des autorités concernées. Si les autorités touchent mes amis, prend une décision provisoire parce que n'est pas possible, il est inacceptable qu'un appareil judiciaire, qu'un tribunal, qu'un parquet soit dysfonctionnel. Siège civil pour que j'en prenne. Siège civil pour que j'en prenne parce que les juges refusent pour des raisons de sécurité de se rendre au niveau du tribunal parce que la sécurité n'est pas en jeu. Donc, on peut comprendre un juge qui est accompagné d'agents de sécurité, un commissaire qui est accompagné d'agents de sécurité, pape descendre ou même comme jeune avocat pape descendre. Ou même pas le risque de vie. Et Pierre-Honel, situation que nous vivons, Maisonneuve, c'est que pour nous sortir devant le tribunal, nous sommes obligés de mot de passe. Parce que nous avons été cernés, nous sommes obligés de mot de passe, c'est mot de passe qui permet de nous passer. Donc ça veut faire ce que nous mettons peur, nous ne pas le travail, et quand pile monde dans la prison, nous voulons mettre énergie, nous, service nous, à disposition de la population. Hein. Le fait que l'insécurité prive dans le tribunal, nous même nous ne pas descendre. Donc voilà pourquoi nous-mêmes, m'obliger de déplacer là pour me dire autorité prendre des mesures provisoires relocaliser par les justices relocaliser parquet pour permettre que l'appareil judiciaire là fonctionne relocaliser et tribunal première instance pour permettre la tenue des sièges civils. Est-ce qu'on connaît nous-mêmes comme avocats nous commençons à perdre du client parce que les clients n'ont plus confiance en nous dossier au printemps. Nous pas qu'à jouer un juge pour rendre dossier civil et jugement sous civil, affaire civile. Nous avons perdu du terrain. Yo. Donc, l'homme nous a besoin de faire action, revendication de droit de propriété. Il a envahi tel. Il n'y a pas qu'à jouer un juge pour jouer une décision de justice, mettre nous en dehors. L'homme nous a loué en caille. Nous n'avons pas payé le cas. Il a besoin de faire des guerres pour nous permettre de loyer. Il n'y a pas qu'à jouer un juge qui a une décision pour des guerres. Donc, mais qui est pas que ça va nous? Mais qui problème? Donc, il y a un impact économique. Nous-mêmes, comme avocats, nous avons perdu du client. Nous avons perdu du client. Nous avons venu côté de client même. De qui ça nous va vivre? Donc, on va comprendre qui conséquences ça gagne sur nous en tant qu'avocat. Donc, sans pas dire, mais Rémy, ou pas quoi, la capacité, l'État, autorité, pour résoudre le problème. Non, donc, vous proposez une solution provisoire. Mais nous connaissons provisoire, il très long ici. Hein? Nous avons fait 10 ans et nous avons fait pile le temps en battante. Et c'était quand même de disposition provisoire. Est-ce que sous pas peur si il t'a déplacé tribunal là et pendant longtemps hein, nous pas retourner en bas? Non, moi pas peur pour ça parce que ce que je veux
c'est la reprise des activités au sein du tribunal. Pierre-Renel, au niveau du cabinet, nous avons presque 35 dossiers pénaux en souffrance. C'est des mounes qui longtemps en prison. Leur opéral vient juger Pierre-Renel depuis palais de justice, depuis prison en relais pour est-ce que le cabinet, depuis qu'il a tiré, tout dossier entré. Ou par contre, pour qu'il y ait un là. Donc voilà pourquoi nous-mêmes nous disons, c'est une solution. Parce que je parle avec un commissaire hier. Le commissaire l'a dit, nous n'avons pas capable de battre pour Bandi. Mais écoutez, nous n'avons pas capable de battre pour Bandi. Mercredi, mardi, le rumeur est circulé dans le tribunal comme une traînée de poudre. Nous tous sommes courus. Mais nous-mêmes, quand nous sommes nous tous courus, nous tous pour machine, nous mettons deux et pour nous n'avons pas capable de battre Bandi. Moi-même, pas exam. Moi-même, comme avocat, c'est très important. C'est service à la population. C'est de mapper des gens qui arrêtent de manière illégale. Et nous avons toujours dit, bataille pour libération prisonniers politiques a continué. Et semaine ça, nous gourmets pour joindre libération aux militants qui ont arrêté, qui c'est Dorival Emmanuel. La bataille continue, mais on ne peut pas travailler parce que les tribunaux sont dysfonctionnels et l'État doit prendre les décisions nécessaires. Merci beaucoup, Maître Rémi. Voilà, c'est écrit. Et un avocat, non, tout avocat, yo, sur la situation, ça, yo, même avocat et justiciable, et magistrat, yo, même, yo, exposé en raison de situation insécurité qui a développé dans zone, Matissant, donc là on a parlé de Bicentenaire qui dans environ Matissant et c'est toute zone ça, Matissant, Bicentenaire jusqu'à la Saline côté chaque jour. Bon Dieu, mettez c'est Brizam, moun qui est dans zone là, moun qui travaille dans zone là, a tendé ça qui crée panique ça, t'as coup panique, mettre la saute partager avec nous, yo même au niveau de Palais de Justice, ça y a vive chaque jour. Oui, sur question ça, on a pris le lien pour nous parler avec Antonal Mortimer, défenseur plus tout à l'heure, mais nous, on t'adorait parler avec magistrat Rwando Saint-Villiers, qui est même c'est président, association professionnelle magistrat, sous même situation ça, hein, puisque, à part avocat, il y a un juge, il y a un magistrat, qui, il même a fréquenté espace ça, mais c'est dans gros caisse sauté. Magistrat Rwando Saint-Villiers, n'a pas appelé au droit tribunal civil Jacques Mellan, président, association professionnelle magistrat, bonjour. Allô? Oui, nous avons perdu contact avec magistrat Rwando Saint-Villiers, que nous avons essayé de rejoindre rapidement. Oui, qui lui-même c'est président de l'association professionnelle magistrat qui était voulu intervenir sur la situation ça qui gagnait sur le bicentenaire là côté ensemble institution l'état yo a essayé là retirer quoi yo dans espace là puisque bandi acheté l'argent content songe des tentatives qui étaient faites dans niveau Sénat République là pour te mettre les Sénat en l'autre côté à loger bureau dans l'autre côté dans un hôtel. Puisque en bas yo pa gen contrôle li, donc l'état pa gen contrôle bicentenaire là. Maïssa Rwando Saint-Villiers, bonjour. Allô oui bonjour. Allô, bon c'est là. Allô, bon problème communication fait nous pas capable écouter magistrat Rwando Saint-Villiers n'a pas essayé établir contact yo tout à l'heure, mais la police nationale d'Haïti confirmé qu'il y a 15 cas kidnapping et qui enregistré dans la région métropolitaine Port-au-Prince là sorti 1er janvier pour arriver journée jeudi hein. D'après sa porte-parole PNH là qui fait qu'on est l'état présenté hier un bilan sur qui gagne pour en tout cas opération différentes unités dans PNH là menées. D'après Michel-Ange Lejeune, force l'audio procédé à l'arrestation environ une trentaine d'individus pendant la période ça. Parmi présumés bandits qui ont arrêté, il y a un présumé assassin journaliste Némi Joseph Lan, avec ancien juge Delma Antoine Lucius, il y a un faux policier qui est allé Ruben Similien, avec 12 autres monde qui ont arrêté, il y a même pour implication présumée dans le trafic de drogue. La police récupéré 12 machines base Lomos sans jour, qui ont confisqué dans le cadre d'une opération PNH Lan, qui mené dans la commune Croix-des-Bouquets, d'après le commissaire principal Michel-Ange Lejeune, qui était dans le micro de Johnny Ferdinand. Dans Saint-Louis du Sud, la police départementale avec la justice était saisie une chaloupe et a aboli 304,54 kg marijuana. Le 8 janvier 2020, 24 kg marijuana a été saisie toujours et dans Saint-Louis du Sud. Et opération ça a été menée à l'arrestation Flore Jean-Jacques, Emmanuel Jean-Jacques, Valdine La France et Peterson Laguerre. C'est quatre mounsayo qui
qui joignent arrestation yo, mais moun n'a dit là yo, yo pa, c'est pas des moun qui campé là, mais c'est des moun j'aime dire noir qui passé dans juridiction et du département du sud, donc c'est dans le sud que dossier ça yo même yo traité. Plusieurs autres dossiers que BLTS et de concert avec l'autre unité dans la police là témenait. Donc ça fait en total pour moun qui arrêté pour question qui gain pour avec trafic drogue ou encore trafic illicite de la drogue, c'est 12 moun en tout qui arrêté sorti commencement mois de janvier pour arriver date que n'a parlé là, et c'est 332.845 kilogrammes marijuana que la police BLTS saisit. De concert avec BAF et qui c'est Bureau des Affaires Financières, eh bien unité BLTS là de concert bien sûr avec la justice de paix rivé poser scellé et sous caillon trafiquant de drogue qui dans tabac 70 et trafiquant de drogue ça lui répond au nom de Gisner Delva. Bureau Affaires Criminelles et dans DCPJ de concert avec la police dans air métropolitaine là, n'a parlé de commissariat Pétionville, n'a parlé de commissariat Delma, n'a parlé de sous-commissariat yo mené en pilote opération. C'est comme ça et le 5 janvier Pouchon lui est dit Pierre et Charles et à Jésus là dans zone Croix des Bouquets, yo t'ai arrêté moun sa yo d'abord pour port et détention illégale d'armes et ensuite pour tentative d'enlèvement parce que vinn gen yon pratique et que haïtien vinn ap konnen kon ya ou ka arrêté comme ça yo relou dans téléphone ou yo di que yo bay cob yo kidnappé ou qu'on a là ou même pour négocier pour soit pour bay plus cob pour pas kidnapper. Donc la police te travaille dans dynamique ça, donc c'est dans chance sans ça que Pouchon Louis et dit Pierre Charles et à Jésus là donc t'es arrivé joindre arrestation yo. Gagné tout arrestation qui t'est arrivé faite dans palais national de Omokbal Paul et Omokbayi Jean-Baptiste, donc moun sa yo la police t'est arrivé arrêter yo pour faux et usage de faux. La police tout dans Delma rivé interpellé Verlus Nikens. Verlus Nikens c'est moun sa nou wè qui gen chemise à carreau sous lia avec jeans noir là, chemise à rayures là, c'est ça me gen devant là. Donc yo t'ai arrêté monsieur sa yo dans Delma pour possession illégal d'âme et aussi Charles Smart 30 ans. Donc il était arrêté tous deux monsieur Sayo pour possession illégale d'âme et quand on a regardé et zamio là sous table là, donc la police là est intervenue donc pour faire arrestation monsieur Sayo. BLVV avec plusieurs autres unités en dans la police là jour mercredi qui était 15 janvier là, yo fait un débarquement dans base monsieur Lamor sans jour rivé ou rivé. Monsieur yo tiré sous la police et yo passé plusieurs heures de temps à échanger des tirs avec la police et la police t'est arrivé quand même repousser yo et rentrer dans base yo en dedans rager et côté yo fait base yo côté le monde pral Saint-Domingue, le monde pral Malpas, le monde pral acheter, yo prend moun yo aller avec yo dans des espaces que yo aménager, yo kembe moun yo mandé pour yo payer, yo kembe machine moun yo kembe marchandise yo et parmi plusieurs autres interventions que la police fait déjà que m'te konn parler nous déjà 15 janvier à Cétéon et au terme de opération ça pas moins de 12 véhicules que la police t'est confisqué gennan yo joine yo commencer tirer pièces nan yo gen nan yo vin avec yo la sans moteur gen nan yo vin la avec yo sans radiateur gen nan yo vin la avec marchandise sou yo mais quand même nous rivé prend 12 véhicules que monsieur Sayo yo té confisqué et pas des moindres gen des instances et privées qui gen tan vin la gen des marchands qui gen tan vin la pour récupérer et soit marchandise yo pour récupérer soit machine yo pour permettre que yo cal vaquer à activité commerciale yo bi activité business yo. Gen le 14 janvier à Kazo té gen deux bandits armés qui t'a rassoudé moun nan Kazo et la police dans cas d'échange de tir est arrivé stopper yo et saisi revolver sa yo que n'a gardé là. Hier mardi 21 janvier, gagné nommé Rubens Similien monsieur en possession yon zamafi. La police interpellé li, les DCPJ al fouye kayli de concert bien sûr avec autorité judiciaire yo joine tout matériel sa yo et monsieur son moun k'a fait le passer pour yon police. Yo arrêté monsieur avec yon revolver calibre 9 mm et j'am di nou nan pendant perquisition la caille monsieur yo t'a pral joine que monsieur gagne tout matériel sa yo. Voilà, on tape à côté déclaration porte-parole PNH. On a retourné sur situation Martissan, donc sur bicentenaire. Bicentenaire, nous connaissons qui gagnait là dans plusieurs bureaux l'État et parmi eux palais de justice et Port-au-Prince, donc qui gagne là dans le tour Batona et qui gagne parquet qui est également logé dans espace ça. Donc situation ça à côté gangio, c'est yo qui sans doute a pas imposé volonté à la justice.
justice pays d'Haïti tout bicentenaire là donc côté n'importe qui là donc bandi est capable faire tout juge avocat courir qui était spatio et d'ailleurs il y a une information qui a circulé comme quoi il y a information qui t'a fait quoi bandi yo te bail deux heures de temps hein à tout le monde qui occupait espace ça pour quitter lieu dans de leur c'est dans une heure de temps qui ont été bail pour quitter espace là et c'est ça qui fait tout le monde avec tout toge avocat juge magistrat obligé quitter espace là parce que bandi est après fait la loi magistrat Rondo Saint-Villier ou c'est président association professionnelle magistrat yo ou confirmer information ça question te gagner un ultimatum qui te bail à monde qui occupait espace par la justice là pour quitter espace là effectivement hier bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre Wenel, et bonjour avec tout staff Radio Caraïbes Blanc, bonjour avec tout auditeur, auditrice, capteur de nous dans le moment ça, et nous saluer particulièrement tout magistrat et magistrat qui est dans la juridiction de Port-au-Prince, qui connaît un moment qui est très difficile depuis quelques temps. Alors, information ça, et moi j'ai gagné plusieurs mondes qui disent ça, mais c'est pas des bagages que nous devons confirmer, même si depuis hier, les téléphones mentionnés en pile, de monde qui essaie d'entrer en contact avec moi, qui a dit, mais ça a attendu, et moi, gagné un journaliste qui était fait un tweet sur ça. Donc, mais nous pas arrivé confirmer ça. Mais je dis, hein, on croit que, faut que, au niveau du gouvernement, et au niveau du ministère de la Justice, et du CSPJ également, faut qu'on rende à l'évidence que y a des problèmes de sécurité dans le pays, c'est pas un bon matin ou à lever et puis problème n'a pas résolu. Et nous-mêmes, dans l'association professionnelle des magistrats, nous avons demandé pour que l'autorité gouvernementale fait tout ça qui est possible pour pacifier la zone de telle sorte que non seulement le palais de justice de Port-au-Prince capable de fonctionner, mais également toute notre institution, l'État et privé qui est dans la zone. Mais nous connaissons que le problème là est très et profond. Et c'est un problème sociopolitique. Et zone bicentenaire là, c'est pas seulement on décennie ou gagne depuis le gain grand problème de sécurité ça. Et même après tremblement du terre là, lorsque nous avons pas mettre palais de justice en bas, donc en pile monde te ouais ça très mal parce que c'était exposé magistrat, exposé commissaire du gouvernement, juge, et alors exposé avocat et ensemble avec tout personnel judiciaire là, et justiciable capable de fréquenter l'espace là. Mais depuis quelque temps, situation est intenable. Et nous comprenons qu'il y a un pile approche qui dit que mais nous pas capable de battre par rapport avec bandit. Même toujours dit, dans l'État, chaque acteur a une responsabilité par eux. Juge, commissaire gouvernement, yo pas là pour que c'est eux-mêmes qui assurent la sécurité en d'un pays. Donc, d'ailleurs, notre travail, yo pas pour tes armes. C'est des techniciens qui là pour appliquer la loi. Avocat, yo qui a fréquenté l'espace, là, c'est idem. Donc, maintenant, si au niveau du gouvernement, situation s'arrête pendant très longtemps déjà, et que eux-mêmes, yo pas capable faire rien, ou du moins, problème, il besoin d'une bonne quantité de temps pour qu'il soit capable de résoudre parce que c'est des problèmes qui ne sont pas tout simplement problème de sécurité, c'est un problème sociopolitique lié. Pas comprendre que faire deux, trois opérations au niveau de la police, ça va le bailler. Solution à problème, non. Il est beaucoup plus profond et l'État, à travers l'exécutif, doit agir sur plusieurs fronts pour résoudre le problème. Ça. Et par rapport à le temps ça capable de prendre pour résoudre, lui, et nous a demandé pour que nous soyons capables d'être réalistes et prendre des dispositions pour que, entre temps, le tribunal l'a déplacé. Nous ne sommes pas capables de continuer à pleurer, non, pour que nous continuions à dire « faut que nous pacifions la zone ». Non. Oui, ils ont nécessité de pacifier, mais ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre pendant le reste du mois de janvier. Et nous ne croyons pas que l'année 2020 est suffisant pour résoudre le problème, non. Parce que c'est pas seulement des gens qui ont des âmes. Pour ouais. Mais faut ouais tout problème dans le social. Faut ouais son problème qui est politique. Parce que nous croyons que nous avons des gens qui ont des âmes, qui sont des gens qui ont un rôle majeur dans la politique dans le pays. Nous croyons que nous connaissons tout.
et son exploitation faite dans celle de monde qui défavorisé. Jodi an, c'est un côté pépinière qui a poussé dans zone ça parce qu'il a utilisé à des fins qui souvent c'est des fins politiques. Maintenant, lorsqu'on a des problèmes comme ça, dans cette opération la police pendant jour même si tu as arrêté deux trois bandits, ça pas capable de résoudre problème là, la retourner faire suivre encore. Et dans le cas ça, nous, au niveau du magistrat Wando Saint-Villiers, dans le cas ça. En toute situation, Gabriel, toujours pas évolué dans Matissan, en particulier avec Brie, gros âme toute la journée dans le cadre d'affrontement entre gangs qui continue à troquer Konyo chaque jour, encore hier, sous toute bicentenaire jusqu'à La Saline, bandit était sous Brinzing, d'après témoignage, yo, nèg exam, t'es même arrivé jusqu'à Grand Rue, bandit qui pas décidé d'arrêter dans Trouyo, mais puis gros problème d'arrêter jeudi, Matissan, et c'est pour ça, n'a posé question ça dans le journal La Matin. Qui le Matissa à zone qui sous côté Lyo a privé gain la paix. Moi-même, par contre, sous connaît ou même guerrier. Même la police, c'est pas connaît. Pas besoin de pour simple citoyen. Donc, l'État haïtien, pas connaît qui le Matissa a pas gain la paix. C'est vrai, gagner des paroles qui a parlé comme quoi l'État a fait un genre pour Lyo t'a capable de renforcer PNH.